sommes en pays Qatar, dans le Languedoc, sur l'autoroute des deux mers, et nous voyons, dominant cette autoroute, ce qu'on appelle les chevaliers Qatar. Saluons l'initiative des autoroutes du sud de la France qui ont permis à un grand artiste, M. Tisignier, d'exprimer dans la pierre l'épouvantable tragédie des Qatars. Ce monument témoigne de la pérennité du qatarisme à travers les siècles. Mais qui étaient ces Qatars? C'étaient des laïcs, des religieux. Mais embrassant une religion un peu différente de la religion catholique, apostolique et romaine, puisqu'ils se considéraient, ou plutôt non, on les nommait les parfaits et les parfaites, car il y avait des hommes et des femmes dans ce cénacle qui étaient parfaits parce qu'ils étaient purs. Les fastes de l'Église, l'apparat, ce n'était pas leur tasse de thé. Ils allaient au fond des choses, ils avaient une foi profonde et ils sont morts pour cette foi. Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours parmi nous. Sur cette magnifique région languedocienne s'étendit la religion cathare dont nous parle Michel Roquebert chez Loubatière. La croisade contre les cathares, un crime épouvantable qui dépasse le terrorisme intellectuel de certains rationalistes d'aujourd'hui, nous en parlerons aussi. Et enfin Montségur, le fief par excellence. Montségur, c'est traduisible facilement, le mont sur Montsalva, Montsalvage, qui sont des hauts lieux, et celui-ci était par excellence le haut lieu des Qatars. Et c'est aussi à Montségur, dans le village qui s'étend, au pied du Pog, que se trouve la librairie de nos amis Raymond et Nicolas Reznikov, qui ne sont pas seulement libraires, ils sont aussi des chercheurs. Et Raymond a publié des ouvrages sur Montségur, sur les Qatars, et Nicolas est un merveilleux conférencier, un très brillant conférencier, et ils vont, eux, en savoir et connaissance, nous parler de cette chose extraordinaire que fut le catharisme qui n'est pas mort. Raymond Reznikov, nous sommes de vieux amis, ton époux Nicolas et moi-même, et tu es l'auteur d'un ouvrage paru chez Loubatière, Cathares et Templiers. Je voudrais que tu nous brosses un peu le tableau de ce que fut cette épopée, de ce que fut ces divers épisodes que tu relates dans ton ouvrage. S'il fallait tout reprendre, c'est assez difficile parce que il faudrait au moins une dizaine de volumes. Alors il faut résumer un petit peu, et bien disons que à la fin du XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, certaines catégories de personnes en Occitanie se sont senties appelées par une vision assez différente, finalement, enfin si on peut dire appelées par une vision assez différente de la religion chrétienne. Ils ont interprété les évangiles pratiquement à la lettre. Comme les textes de l'Ancien Testament avaient été traduits en langue vulgaire, ils se sont aperçus que les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, ne correspondaient pas trop. Que, évidemment, à l'époque, il faut reconnaître aussi qu'à l'époque, on prenait les textes sacrés à la lettre. Donc, il est évident que... Ils se sont dit que le Dieu de l'Ancien Testament ne pouvait pas être le même que le Dieu bon du Nouveau Testament, celui qui était venu annoncer le Christ. Donc,
Ils se sont posé des questions et ils sont devenus dualistes, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'il y avait deux créations, une création mauvaise qui était la création de la nature, où tout le monde s'entretue, se mange, et qui est une création où la souffrance règne en maîtresse, et puis qu'il y avait un autre monde, celui de l'esprit, qui appartenait vraiment au véritable Dieu. Entre 1100 et 1180-90, cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle vision sacrée s'est répandue en Occitanie, enfin dans tout le Languedoc, et même jusqu'en Provence. Précisons-le, kata vient d'un mot grec qui signifie les purifiés. En Occitanie, ils ont reçu le nom d'albigeois. Quant au surnom de parfait, il est la marque d'un hommage rendu à leur conduite. Effectivement, ils ne s'intitulaient pas parfaits, on les appelait comme ça, mais eux-mêmes s'intitulaient avant toute chose « bons chrétiens ». Nous sommes des bons chrétiens, nous voulons revenir à l'origine du christianisme, et voilà notre vocation, nous sommes là pour ça. Par contre, quand on les regardait vivre, surtout par rapport à la vie dissolue que menait à ce moment-là le clergé catholique, on disait « mais ces gens-là sont parfaits, ce sont des bons hommes ». Alors, il y avait deux choses essentielles qui distinguaient les cathares du clergé ordinaire. C'est que, d'une part, les cathares, au lieu de prélever de la richesse vive sur la population, au lieu de prélever la dîme, eux travaillaient. C'était grand. Et pendant plus d'un siècle, il y a eu synonymie entre tisserands et cathares. Par conséquent, c'était des gens extrêmement qui voulaient faire leur salut en essayant de respecter au plus près les principes de l'Évangile. Et en aucun cas, ils n'auraient eu l'outrecuidance de se désigner eux-mêmes comme parfaits ou comme supérieurs aux autres. On fait un amalgame, évidemment, les parfaits, les cathares, le manichéisme, etc. C'est la dualité. Mais il y avait, conjointement avec les cathares, au départ, les Bogomiles. Les Bogomiles, précisons-le, avaient pour origine la Bulgarie. Ils étaient originaires de Bulgarie. Ils étaient originaires de Bulgarie, là aussi c'est un grand lieu de passage des croisades, parce qu'en faisant les croisades, donc, les gens du Nord se sont heurtés à d'autres civilisations et ont rapporté dans leur bagage d'autres concepts. Alors parmi ces concepts, bon, il y avait les policiers, il y avait les manichéens, il y avait d'autres tendances encore, mais et on ne peut pas dire qu'il y a uniquement une source. Il n'y a pas de filiation à proprement parler. C'était une espèce d'éclosion spontanée au XIe et au XIIe siècle de toutes les réponses aux frustrations que procurait la religion catholique orthodoxe. En fait, en ce qui concerne les origines, on peut dire que le dualisme, ça remonte très loin. Ça remonte à Platon. Platon était dualiste. Hein, donc, ce n'est qu'un avatar du dualisme platonicien. Jean Blum, vous êtes écrivain, vous vous passionnez, entre autres choses, pour le catharisme, et vous avez publié aux éditions du Rocher deux ouvrages tout à fait remarquables, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. J'aimerais assez que vous nous parliez de ces cathares qui, eux aussi, ont été controversés. Ces religions qui viennent des écoles des mystères de l'Antiquité, ces religions qui viennent des grands dualismes, en particulier celui de Zoroastre, quelques 7-8 siècles avant le christianisme. Et, si vous voulez, une citation le résume, c'est celle qui est sur le frontispice du temple de Delphes, « Connais-toi et tu connaîtras les secrets de la nature et de Dieu ». Ou bien encore le début, le deuxième logion de l'évangile dit apocryphe de Thomas, Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse jamais de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera bouleversé, et il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. Ce sont des religions de quête intérieure, avec un postulat, c'est que ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas la raison qui trouvera, tout ce qui est à trouver est au-delà de la raison. Tout ce qui est à trouver est en l'intériorité très profonde. C'est l'histoire de la quête du Dieu de l'immédiate présence. Et là, nous trouvons les chaînons successifs qui nous amènent au cathares, les écoles des mystères d'Antiquité, les grands dualismes, la gnose chrétienne, Jésus reçu comme un envoyé éminentissime du plérum divin, mais surtout pas
comme le seul Dieu-Fils. Pourquoi le seul Fils? Il nous apprend le Notre Père. Il nous apprend que nous sommes des fils de Dieu. Ces gnostiques chrétiens nous amènent aux manichéens, lesquels sont persécutés bien entendu, aux policiens, aux bogomiles. Les bogomiles viennent évangéliser en Languedoc, et c'est là que naît cette religion que l'on appellera plus tard des cathares. Les cathares se disaient eux-mêmes des chrétiens, c'est tout. Laquelle religion fait l'objet d'une persécution sanguinaire, sanglante, épouvantable au long d'une guerre de 40 ans. Et quelle répression! 20 000 morts, hommes, femmes, enfants massacrés par les hordes des barons du Nord que commandait cette infâme canaille de Simon de Montfort, qu'on appelait pudiquement encore à l'époque la Buse, c'est-à-dire le charognard. Complice de Simon de Montfort, un des abbés de Citeaux, Arnaud Maury, auquel on prête « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Il n'a peut-être pas dit cette phrase épouvantable, mais il était bien capable de l'avoir dite puisqu'il a participé au massacre. Ici, plus personne n'est allé à l'église, plus personne n'est allé à la messe, et le peuple, y compris les seigneurs, parce que contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions de France et dans le Nord, l'élite, la classe aristocratique, était pour les cathares, était pour la nouvelle religion. Voilà, donc c'est pour ça que l'Église a été obligée de réagir, parce que c'était sa puissance et sa vie qui étaient en danger. C'est le pape Innocent III a demandé le secours du roi de France, qui ne s'est pas laissé faire, parce que Philippe Auguste n'était pas pour la croisade, il faut le reconnaître. Et à ce moment-là, Philippe Auguste a été contraint d'autoriser quelques seigneurs à se croiser, mais c'est à la demande uniquement du pape Innocent III qui a senti son trône vaciller. Et avec les barons du Nord, et voilà. Arriva la Buse, cet individu de triste mémoire, Simon de Montfort. Simon de Montfort, mais au début c'était surtout Arnaud Amaury, le cistercien, l'abbé de Citeaux, le principal abbé de Citeaux, qui dirigeait la croisade. Et c'est seulement à la fin des 40 jours que l'on a demandé à un seigneur, à un chevalier du Nord, de bien vouloir prendre en main le pays, étant donné que les seigneurs locaux protégeaient l'hérésie, leur terre était confisquée. Donc à partir de ce moment-là, les seigneurs qui étaient venus du Nord auraient dû en profiter. Aucun n'a voulu, sauf Simon de Montfort, qui était un petit seigneur de la région parisienne, de Montfort-l'Amaury d'ailleurs, et qui a accepté et qui a rêvé de devenir comte de Toulouse. Il le sera pas très longtemps d'ailleurs. Le martyr des cathares était contemporain de l'existence de l'ordre du Temple. Certains ne comprennent pas que les Templiers ne soient pas intervenus. Nous allons demander à notre ami Roger-Luc Marie de nous parler justement de cette problématique des cathares et des Templiers. Tu es l'un des membres fondateurs de l'IMSA, il y en a beaucoup aujourd'hui à Montségur, ce jour-là. Et tu as écrit de nombreux ouvrages et tu en prépares un pour, disons, l'automne 1992, qui va traiter des Templiers et des cathares ou seulement des Templiers? Va traiter surtout des Templiers, parce que bon, cet ouvrage s'intitule, a un titre un peu bizarre, il s'appellera « Les différents visages de la franc-maçonnerie », et parmi ces différents visages, il y a le problème, car c'est un problème, le problème Templier, à savoir la relation, la filiation entre le Temple et la franc-maçonnerie actuelle, la franc-maçonnerie de 1717 aussi, etc. etc. On sait relativement beaucoup de choses sur les Templiers, un peu moins sur les cathares. On sait qu'ils n'étaient pas ennemis, mais ce n'était pas non plus l'étroite fraternité. Non, c'est cela aussi, il y a quelque chose d'assez obscur. Par exemple, quand Bernard de Clairvaux est venu à Albi pour faire cette fameuse croisade, évidemment, quelques Templiers, je dirais même beaucoup de Templiers, se sont refusés à combattre les cathares. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être la même foi, la même idéologie, mais on ne peut pas dire qu'entre eux c'était le grand amour. Hein. Pour en savoir plus sur ce sujet pointu qui divise les auteurs, on peut valablement se référer à l'ouvrage de Raymond Reznikoff, Cathares et Templiers, chez Loubatière. La sanglante croisade s'achève. Simon de Montfort va mourir. C'est une bonne chose. Mais un espoir naît.
la bûche disparue, peut-être que tout va redevenir comme avant, peut-être que tous les espoirs sont permis, mais non. Une chose épouvantable, terrifiante, le plus grand crime que l'Église ait jamais commis est en train de naître, l'Inquisition. Et l'Inquisition, il faut dire que le mot a perdu peut-être un peu de son sens, ça voulait dire la prison murus strictissimus, sans lesquels les prisonniers ne pouvaient ni se tenir debout ni s'asseoir, ça voulait dire les bûchers, à feu rapide et à feu lent, ça voulait dire des atrocités comme ça. Concernant l'Inquisition et ses crimes, signalons l'excellent ouvrage de Richard Balducci aux éditions Filippacchi, Torquemada ou L'intolérance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le pays a été exsangue, parce que Simon de Montfort n'est pas resté jusqu'au bout, Simon de Montfort est mort en 1218 à Toulouse, le 25 juin, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. Merci. Voilà, c'est... Oui. Le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, il est mort, il a reçu une pierre sur la tête qui avait été envoyée par des femmes qui tenaient un pierrier. Et c'était des femmes qui manœuvraient donc ce mangono, qui ont envoyé comme ça... Ma catapulte, voilà. Qui manœuvraient donc ces sortes de canonnières à cailloux, enfin, gros pavés, qui ont envoyé ce pavé bien. Hein, et il y a un poète qui s'appelle Guillaume de Tudel qui a dit « La pierre vint là, juste où il fallait, et la tête a éclaté, et comme ça... » Simon de Montfort a été tué, ça a été du délire absolument dans le pays. Et à ce moment-là, il y a eu une reconquista. Tous les seigneurs locaux ont reconquis leurs terres et se sont réimplantés. À ce moment-là, le clergé cathare, c'est-à-dire les parfaits, les bons hommes, les parfaites, ont recommencé à prêcher, ont reconstitué leur église. Et il a fallu, longtemps après, l'introduction de l'Inquisition, après le fameux traité de Meaux-Paris de 1229, pour que la religion soit complètement étouffée, écrasée et entre dans la clandestinité. Et alors, c'est seulement longtemps après, vers 1243, 42-43, qu'il y a eu un nouveau soulèvement et que le comte de Toulouse, Raymond VII, a voulu en profiter pour reconquérir à nouveau cette terre. Il pensait s'associer au roi d'Angleterre, au roi d'Aragon, enfin à différents, au seigneur de Lusignan, pour reconquérir son pays. Ça n'a pas marché, parce que Louis IX a été plus fort. Mais à ce moment-là, tous les parfaits, tous les résistants se sont réunis ici, dans ce château, à l'intérieur, et c'est devenu la tête du dragon, le siège de l'église cathare. Tous 245, c'est la chute de Kéribus, ce château qui était la dernière place forte cathare. Je voudrais quand même, avant d'entendre les détails, vous présenter mon vieil ami Alain Lekern, qui n'est pas seulement le chevalier de lumière que j'en ai fait avec Daniel Huguet, qui n'est pas seulement un brillant géomancien analyste, c'est aussi un passionné de catharisme qui a fait des recherches dans ces sites que nous venons de survoler. Alors là, j'aimerais que tu expliques à nos amis qui nous écoutent et nous regardent tout ce symbole de Montségur qui lui aussi est tombé. On pourrait penser que Montségur, justement, c'est une place forte, donc quelque chose qui est destiné à la guerre. Si effectivement c'est le rôle qu'a eu pendant pratiquement un an Montségur, en fait, le lieu, et on le verra tout à l'heure, n'est pas du tout comme une place forte. On parle souvent à propos de Montségur de la forteresse Temple. Il se trouve que, au moment où a lieu quelque chose qui s'appelle le massacre d'Avignonnet, c'est-à-dire que à Avignonnet, en 1243, il y a des inquisiteurs qui, à force des actions, finissent par attirer la vindicte de leurs victimes, et de Montségur, justement, par une petite troupe qui s'en va les massacrer. Montségur attire ainsi sur lui l'attention de la royauté, et on décide, selon la phrase que l'histoire a retenue,
de trancher la tête de l'hydre. Ainsi, les troupes royales entourent Montségur et pendant pratiquement un an, Montségur sera encerclé, assiégé. En fait, un encerclement bizarre. Le site lui-même, il est très difficile à encercler. Donc il y a toujours des communications entre les chevaliers, entre les familles cathares qui sont là-haut, et puis l'extérieur. On attend même d'hypothétiques secours pendant pratiquement toute une année. Si le siège a duré une année, bien sûr, la configuration du terrain s'y prête. Mais il faudra un coup de force particulier de montagnards basques vers la fin 1243 pour justement prendre une partie du château ou en contrebas du château que l'on appelle le Pas du Trébuchet et sur lequel un évêque, décidément l'Église recelait beaucoup d'hommes guerriers, installe une catapulte démontable, évidemment, que l'on va transporter et qui va lancer des boulets de pierre, une cinquantaine de kilos environ, et qui vont tomber sur le château. Alors le château, vous allez voir quelque chose qui est en pierre, mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de ces pierres, il y avait des constructions de bois. Et sur ces constructions de bois, il y avait ce déluge de caillasses qui fracassait tout et tombait bien évidemment sur les habitants, sur les assiégés. Montségur ne va pas mettre trop longtemps à tomber puisque en mars 1244, des négociations sont entamées et là aussi, fait étrange, relevé par l'ensemble des chroniqueurs, c'est que finalement, c'est comme si la bataille n'avait pas eu lieu car tous les défenseurs s'en tirent sans laisser leurs armes. Leurs péchés sont effacés et on demande simplement aux parfaits, bien sûr, d'abjurer leur foi. On se doute qu'ils refusent, ce qui fera effectivement près de 214 personnes finissant sur le bûcher. Contrairement à ce que dit la stèle, le camp del Crama, ce n'est pas là que ces malheureux auraient été brûlés. Ils auraient pu l'être ici aussi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont été réunis, 215 personnes ont été réunies au pied de la montagne. Bon, la stèle se trouve à un endroit où quelqu'un a offert généreusement son terrain pour que la Société du Souvenir et des Études cathares puisse édifier la stèle en question, c'est le monsieur Coste. Donc, mais enfin, ça ne veut pas dire que le bûcher a eu lieu à cet endroit. Le bûcher a eu lieu au pied de la montagne. Et il y a une chronique d'une abbaye, des bénédictines, qui dit qu'on voyait la fumée depuis l'Aude. Alors, pour voir la fumée depuis l'Aude, eh bien, ça pourrait être ici où on se trouve, parce que là, sur ce monticule, il y a l'Aude, là, plus loin, on peut le voir. Mais ça peut être aussi de l'autre côté, là-bas, du château. Sur l'autre versant, on peut voir aussi la fumée et les flammes depuis l'Aude. Mais disons que c'était au pied de la montagne. Il y a, hélas, bien d'autres mystères. Je dis hélas parce que tous ne sont pas résolus. Nous avons fait un voyage en juin 1992 avec l'IMSA, notre ami Alain Lekern, Roger Luc-Marie et d'autres. Et nous avons abordé fatalement ce domaine un peu irritant des autres dimensions, des portes induites. Il y a un légendaire de Montségur, ou un extraordinaire, entre guillemets, de Montségur. Il ne faut pas oublier que l'histoire de Montségur, où sa célébrité remonte à l'ouvrage, au début du siècle, de Napoléon Perrat, qui effectivement, faisant ressurgir le catharisme et les croisades contre les albigeois,
a aussi parlé de Monségur, mais de manière assez mystérieuse. Il y a effectivement beaucoup de témoignages qui parlent de rencontres faites avec des individus ressemblant à des moines là-haut. Il y a effectivement, et ça c'est des choses que nous avons vécues à plusieurs reprises, Jimmy, tu t'en souviens ? Tout à fait. Lorsque, baignés dans la fraternité du lieu, nous avons voulu faire avec nos amis une chaîne d'union, eh bien, à ce moment-là, il y avait une couverture nuageuse assez grise. Au moment de la chaîne d'union, il y avait toujours un rayon de soleil. Et ça s'est vérifié plusieurs fois. C'est une petite anecdote parmi d'autres. Dont une fois, où nous atteignions le Pog sous une pluie battante, avec la doyenne de l'IMSA, Émilie Cadevielle, qui avait 84 ans, et ruisselant, au niveau du Pog, une échancrure dans les nuages et un rayon de soleil. Alain Mont s'est regardé, nous avons eu un frisson qui n'était pas dû à la pluie. Alors je voudrais que nous parlions un peu, Alain, de ces gens qui viennent souvent jouer les touristes à Monségur. Il me souvient, dans un petit restaurant, d'un monsieur d'un certain âge, là, style un peu vieux professeur, qui était avec une jeune femme, et elle ne parlait pas le français, c'est des Allemands. J'ai échangé quelques mots avec elle en anglais, et je me suis aperçu que dans le sac que portait le monsieur, là, le vieil homme, un sac qui était largement ouvert, il y avait des cailloux. Il y avait des cailloux. Et je crois que certains habitants d'Outre-Rhin, amoureux aussi, mais pour d'autres raisons de Monségur, en ramènent souvent des souvenirs. C'est certain, et ça c'est bien dommage. Nous avons là une dérive assez irritante de l'utilisation de Monségur. Cette dérive irritante, notamment, fait référence au fait que, pendant la guerre, le national-socialisme s'est efforcé de récupérer un certain nombre d'histoires locales un peu partout en Europe, et notamment le catharisme. Il n'y a absolument rien de commun entre la philosophie cathare et les thèses du national-socialisme. Absolument rien. Ce n'est pas parce que les cathares ont donné un modèle d'univers, disons, en jeu de deux forces, les ténèbres et la lumière, ce n'est pas parce que le national-socialisme a prôné une idée d'homme pur qu'il y a effectivement un voisinage à établir. Il n'existe absolument pas. D'ailleurs, lorsque l'on regarde en détail la philosophie du catharisme, c'est une philosophie surtout de bonté, de pardon, d'humilité et certainement pas de destruction. Donc, qu'une bonne fois pour toutes ces choses soient dites, il n'est pas question de laisser le Pog partir en petits morceaux outre-Rhin. Il n'est pas question non plus de positionner une quelconque relation entre le catharisme et le national-socialisme. Il y a par contre, et il ne faut pas justement là le sous-estimer, un certain voisinage entre les troubadours et le Minnesang allemand. Mais ça, il s'agit là encore d'une quête spirituelle. Et cette quête spirituelle a eu en Europe ses chemins, ses contacts, ses messages. Mais là encore, il n'est pas question de national-socialisme. Pas plus d'ailleurs que le caractère solaire que revêt cet endroit. Absolument. Simplement, le caractère solaire fait référence à ce que le mazdéisme appelait Hormuz de Ahriman, le dieu du soleil et le dieu des ténèbres. Et c'était deux forces, deux énergies en combat permanent. Évidemment, Monségur est, nous allons le voir, un lieu solaire, puisque le Pog est lui-même bâti, de sorte que l'ensemble des constellations, et notamment à un moment du solstice d'été, il y a dans la salle des gardes un alignement particulier, de manière à ce que l'ensemble des constellations soit visible, soit repérable à partir du château. Voilà. Alors, c'est une référence plutôt cosmotellurique, c'est la relation tertielle, c'est le sens de religere, le sens du mot religion. Nous nous trouvons ici, dans ce qu'on peut appeler la salle des gardes,
En fait, une salle particulière du château. En tout cas, si l'on regarde autour de nous, on est, disons, dans ce qu'on pourrait appeler une salle basse. Salle des gardes, salle d'armes, salle de réunion, que pourrait-on en dire? Si ce n'est qu'en observant autour de nous, cette salle assez petite, rectangulaire, un petit peu, ayant la forme d'un carré long, pour ceux qui savent le symbolisme du carré long, était surmontée de au moins deux autres salles ou deux autres étages qui, eux, étaient les dans endroits d'habitation des seigneurs du château. Et peut-être même au-dessus des habitations avec du bois. Il faut venir ici pour sentir ce qui se passe. Seulement, en regardant la disposition des archères de cette salle, celle du côté est et celle du côté ouest sont légèrement décalées. En fait, le 21 juin, au solstice d'été, lorsque l'on vient se poster ici, sur cette archère, au lever du soleil, d'en face, un rayon lumineux indique le lever du soleil. Particularité accordée au solstice d'été, qui, je vous le rappelle dans l'ésotérisme, est une des portes, une des deux portes de l'année. L'année disposant de deux portes, la porte du solstice d'hiver, appelée le Devayana dans la tradition hindoue, ou la porte des dieux, c'est la porte par laquelle passe l'Avatara, celui qui descend sur la terre, c'est la raison pour laquelle on fait naître le Christ au mois de décembre. Et puis, au mois de juin, la porte des hommes, la porte par rapport à laquelle nous quittons le plan terrestre lorsque l'on a fait un certain chemin de réalisation, la porte qui sied au Qatar, qui justement, après un certain travail, on choisit même par la voie du feu de partir de notre plan de manifestation pour ne plus jamais revenir. On aura longtemps épilogué, écrit, supputé sur ce que contenait cette forteresse-temple. Un trésor de guerre, certainement, et la déposition de ce que recelaient certaines connaissances détenues par des parfaits comme Guibert de Castres ou d'autres parfaits qui l'accompagnaient, certainement. Donc, un trésor avant tout spirituel. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Alors, les cathares, détenteurs de savoirs différents, sûrement, ils croyaient par exemple en la réincarnation. C'est pas seulement un problème de croyance, c'est une évidence pour nous aujourd'hui. Rappelons cependant que l'Église avait proscrit la réincarnation. Les parfaits, en quelque sorte, auraient très bien pu vivre seuls et faire leur salut, hein, individuellement. Mais il y avait des croyants qui avaient besoin de lumière. Bien sûr. Hein? Car il y avait bien donc deux parties différentes, deux groupes différents dans la population. Il y avait des croyants qui, eux, essayaient de vivre leur vie au mieux, sachant que grâce à leur turpitude, ils reviendraient un jour sur Terre pour vivre à nouveau un nouveau karma. Et puis il y avait les parfaits qui avaient atteint un certain degré de perfection, enfin on ne les appelait pas les parfaits encore, mais les bons hommes, qui avaient reçu le consolamentum, qui parfois, de crainte de retomber dans le péché, préféraient encore se laisser mourir. La Endura, exactement. Préféraient se laisser mourir plutôt que de commettre la moindre erreur qui aurait pu être dangereuse pour eux, pour leur salut. Nicolas Reznikov, tout à l'heure tu as fait allusion au karma, ce qui implique évidemment une connotation réincarnationniste. Qu'en était-il des cathares? Les cathares voulaient revenir, ils voulaient revenir au christianisme primitif. Or, le christianisme primitif était réincarnationniste jusqu'au IVe siècle. Il a changé pour des raisons tout à fait simples, c'est que Hélène, la mère de Constantin, voulait faire diviniser son fils et se faire diviniser par la même occasion. Donc si elle risquait, après sa mort, de se retrouver dans le corps d'un autre, où était la divinité?
Donc elle a fait un concile, elle a organisé un concile, supprimant le principe réincarnationniste. Voilà le point de départ. Or, encore une fois, les cathares voulant revenir au point de départ de leur croyance, étaient obligés de revenir au principe réincarnationniste. Car, d'après la pensée réincarnationniste qui venait un peu de l'Orient, il faut le dire, ce n'est que par un cycle de réincarnation qu'on pouvait se débarrasser de toutes les tares que nous avait apporté la matière. Se dépouiller du vieil homme. Les cathares, fort en avance sur leur temps, considéraient la femme comme l'égale de l'homme. Cette sagesse est rappelée dans l'ouvrage d'Anne Brenon, Les femmes cathares, paru aux éditions Perrin. En fait, c'est une véritable civilisation de tolérance qui fut anéantie. Une civilisation qui s'appuyait sur une tradition aujourd'hui oublié du plus grand nombre. Si nous sommes aujourd'hui ici à Montségur, c'est nous sommes venus un peu chercher aussi une partie de cette tradition. Nous ressourcer. Et en même temps nous ressourcer. Cette tradition, ça n'est pas un rêve, ça n'est pas un mythe. Elle existe, elle a été cachée, tu le sais très bien, elle a été occultée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, cette tradition commence à émerger. Nous vivons un véritable chaos, mais je crois que ce chaos est géniteur et qu'il va générer ce qu'est la tradition primordiale. Maintenant, quant à expliciter nettement ce qu'est la tradition primordiale, c'est très difficile, c'est abstrait. Mais de plus en plus, on commence un peu à se faire une idée de ce qu'a pu être la tradition. Alors il faudra remonter jusqu'à Zoroastre, voire au-delà. Et alors même faire du transcendantal et du transhistorique. Alors là, je pense que c'est nos plumes d'écrivains qui doivent œuvrer dans ce sens, parce que c'est très difficile d'en parler. Je crois, enfin, à mon humble avis, c'est à partir du passé. C'est le passé qui devrait éclairer notre présent. Et je crois que notre présent doit illuminer l'avenir. Il faut donc faire un retour aux sources. Les cathares du Graal au secret de la mort joyeuse. Alors, la mort joyeuse, c'est l'Andorra. Pas nécessairement, Jimmy. Il y a plusieurs traditions graaliennes. L'une, c'est celle de la coupe en laquelle Jésus célèbre la scène, recueillie par Joseph d'Arimathie, qui recueille du sang du Christ. C'est la version christianisée, c'est Chrétien de Troyes, Perceval. Deuxième grande version, ça remonte à plus loin, c'est l'émeraude tombée du front de Lucifer au moment de la chute, de Lucifer ou d'Ariman, puisque ça vient de plus loin. Là aussi, il faut traduire. Et par la physique moderne, on arrive à trouver des choses comme ça. On arrive à penser que on sait, par exemple, par les travaux d'Einstein, que l'absolu et le relatif ne sont plus incompatibles. Vous avez une vitesse absolue qui est celle de la lumière, Einstein dixit, le 300 000 km à la seconde fait que le relatif rejoint l'absolu, le temps est aboli à cette vitesse-là. On peut penser la même chose s'agissant des émanations relatives de nos cerveaux, les ondes alpha, bêta ou autres, qui sont peut-être la résonance d'une onde à la fois absolue et relative, qui est l'onde divine par excellence. Et le secret de la mort joyeuse, pour moi, c'est celui de l'être qui, par la méditation, par la prière, par des techniques, parce que ce sont des techniques, même si le mot ne paraît pas très religieux, est arrivé à mettre en osmose son intellect humain avec, d'une part, les atouts spirituels très profonds qu'il a en lui et la source. Celui-là est, comme était Lucifer avant la chute, il est en même temps une entité, un ego, un je, mais en liaison étroite, en état de connaissance dans le sens mot du terme, de gnosis, avec le principe. Les cathares détenaient-ils un secret de cet ordre? La persécution avec laquelle ils ont été pourchassés, brûlés et bannis donne à penser que peut-être bien oui. C'est un de ces arguments à contrario dont je crois qu'il faut tenir compte et qui explique peut-être bien des choses. D'autres que moi l'ont mieux que moi et avant moi exprimé, Maurice Magre en particulier. Maurice Magre, poète, qui a glorifié Montségur, auquel un mémorial rend hommage sur le chemin qui grimpe vers le POG. Le secret de la mort joyeuse, à la limite, c'est le secret de quiconque a compris plus qu'intellectuellement,
intuitivement, archétypalement, dirait Pierre Dacot, ce qu'il est, qui le ressent et qui s'est accompli en somme. Nous sommes des êtres en état d'accomplissement, nous sommes quelque chose qui n'est plus de la matière inerte, qui n'est pas encore Dieu. Ça, c'est pas de Jean Blum, c'est de Teilhard de Chardin. Et celui qui parvient à la mort joyeuse est celui qui sait ce qu'il est, même pas où il va, ce qu'il est. Et les cathares détenaient peut-être, j'hésite devant le probablement, mais du fond du cœur, je n'hésite pas devant le probablement, ce secret-là qu'il appartient à chaque humain de réveiller en lui. Et chaque humain ressent, à partir du moment où il est en quête, les forces néfastes, les forces d'opposition qui s'opposent à sa quête. Un fait est constant, et que plus la recherche est ardente, et plus s'interposent les obstacles, les obstacles qui finalement doivent être franchis et qui donnent le lieu à la progression vers le spirituel, non pas pour soi, mais pour la rédemption de l'humanité tout entière, comme disaient les cathares. Alors Alain Lequerne, les cathares, un savoir en avance sur nous, mais un mode de pensée aussi. Jimmy, je pense qu'il s'agit là plutôt d'une philosophia perennis. Quelque chose qui, au-delà du temps, au-delà de leur disparition physique, nous adresse toujours un message. Il y a une histoire de laurier qui est très belle. Oui, elle est très belle, bien que, comme toutes ces histoires très belles, où l'esprit finit par prendre le pas sur la matière, il a été attribué, lors du massacre de Montségur, en fait lors du bûcher de Montségur, une phrase à un troubadour qui a déclaré « Au cap de 700 ans, le laurier reverdira ». En fait, cette phrase, on ne sait pas qui l'a prononcée. D'autres pensent qu'elle aurait été écrite par un Provençal, mais bien plus tard, au début du siècle. Voilà, absolument. Toujours est-il que si quelque chose se passe, effectivement, 7 siècles après, et on est en pleine Seconde Guerre mondiale, il y a un renouveau cathare, il y a un esprit, il y a une conception du monde qui est en train de naître et qui fonctionne toujours. Si évidemment il est difficile de transmettre le consolament, il est possible de voir que ce qui nous entoure n'est pas tout à fait dans le ton, n'est pas tout à fait juste. Ce pourquoi d'ailleurs nous nous efforçons de porter un petit peu plus de conscience, que ce soit à l'IMSA ou que ce soit par le biais de nos ouvrages. Nous pourrions alors enchaîner avec notre ami Nicolas Reznikov, qui va nous apprendre des choses extrêmement curieuses sur ce fameux laurier du Sabartès. C'est un poème du 19e siècle qui, donc c'est poétique, qui exprime le souhait du retour du catharisme. Par contre, il y a des phénomènes qui pourraient être interprétés de manière beaucoup plus précise, en ce qui concerne en particulier la disparition des livres sacrés, enfin des évangiles de Jean, des cathares qui ont été brûlés en 1244. Parce que en fait, lorsqu'on brûlait des cathares, on disait un tel a été brûlé avec son livre. Ah, oui. Et son livre, c'était l'évangile de Jean. Alors, il portait l'évangile de Jean dans une petite poche en cuir, bien serré contre eux. Oui. Et quand on a brûlé les 215 cathares, peut-être ici, on n'a pas fait mention de leur livre. Alors, on sait qu'il y a eu un trésor matériel qui a été évacué. On le connaît au sous près, je ne dis pas au centime, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de centime, mais on connaît au sous près le montant du trésor qui a été évacué vers la Lombardie. Par contre, le trésor matériel était peut-être justement constitué par l'ensemble de ces 215 livres. Il serait possible que ces livres réapparaissent un jour parce qu'ils auraient été vus là-haut, dans cette montagne qu'on ne voit pas. Il y a, ça s'appelle la montagne de la Frau, c'est la montagne de la peur, qu'il ne faut pas confondre avec la Frau, Jungfrau, allemande. Non, non, non. C'est la montagne de la peur. Bon, au pied de cette montagne, enfin, dans cette montagne, plutôt, il y a 3 grottes, et juste à côté, il y a un aven extraordinaire. Un aven. Avec un glacier souterrain. Et ce glacier souterrain
ressort du côté de Fougax, à quelques kilomètres d'ici. Alors, il a été plus ou moins exploré, mais enfin, c'est assez difficile car c'est un glacier souterrain. Ce qu'on sait simplement, c'est que là-bas, à Fougax, il sort près d'une colonie de vacances et que le directeur de la colonie de vacances a fait mettre des grilles pour que les gosses ne remontent pas le glacier. Enfin, si on mesure la longueur du glacier, et si on regarde la vitesse à laquelle descend le glacier, on peut se dire que quelque chose de jeté là-haut il y a 700 ans pourrait ressortir au bout de 700 ans. Ça, bon, c'est une pure hypothèse, mais c'est tellement tentant. Ces livres qui ont peut-être été jetés là-haut, dans la veine, et c'est ça que l'on attend. Ah, que le glacier va véhiculer au cours des siècles. Voilà, exactement. Et va nous amener à... Comme c'est des pots de cuir huilés, c'est une hypothèse. Mais voilà un petit peu comment ça tourne autour de cette notion de 700 ans. Par conséquent, 1944, on a fait des recherches, pour l'instant on n'a rien vu, mais les glaciers, comme les trains, peuvent avoir des retards. À l'heure actuelle, peut-on dire qu'il y a encore des cathares? Le mot est fort peu connu de certains, parce que la conspiration du silence, l'inquisition du silence connu, continue. Mais il existe toujours des êtres qui pensent que l'univers est un tout, que chaque partie de l'univers est liée. La physique moderne ne dit pas autre chose. Et cela, comme les cathares, lutte pour la rédemption de tous et de toutes. Même s'ils ignorent jusqu'au sens du mot cathare. Et je crois que les cathares recherchaient essentiellement cette rédemption, cette victoire du principe divin contre le principe malin, la victoire de Dieu au seuil de l'éternité qui voyait la rédemption de l'humanité tout entière. C'était le but des cathares et non pas une religion vouant à l'extermination certains êtres créés par Dieu quand même par rapport à d'autres. J'ai l'impression que cette pensée cathare reprend force et vigueur chaque année davantage. C'est émouvant. C'est tout à fait émouvant, mais en fait, les circonstances sont considérablement changées. C'est-à-dire que le catharisme tel qu'il était vécu au XIIe ou au XIIIe siècle est impensable, parce qu'il n'y a plus de serfs, il n'y a plus de serfs, il n'y a plus d'esclaves. Il y a de la mobilité des gens et des biens. Donc, on ne peut pas se remettre exactement dans la même situation. Alors, lorsque quelqu'un venait au monde au 12e, il savait qu'il avait 30 ans à vivre et que ça serait 30 ans de misère. Bon, les concepts ont changé. Par contre, ce que je constate moi personnellement, et je crois que ma femme a fait la même remarque, c'est qu'il y a un renouveau de la pensée dualiste. C'est-à-dire qu'on revient encore à la pensée de Platon, c'est un cercle, et que on sait qu'il y a deux façons d'atteindre au salut. Il y a soit l'illumination, première méthode, et la deuxième méthode, c'est la connaissance, c'est-à-dire la gnose. Et la pensée gnostique se développe de plus en plus depuis, je situerai ça, à la fin du 19e siècle. Et effectivement, les gens que nous voyons ici, que nous côtoyons dans notre librairie ou dans les environs, sont tous préoccupés d'une démarche gnostique en s'appuyant sur la démarche gnostique des cathares. Et c'est en sens que le catharisme revit à nouveau. Mais ce n'est pas le catharisme pur et dur tel qu'on l'a connu au XIIIe siècle, c'est une nouvelle forme de gnose qui veut se rappeler du catharisme et du sacrifice qu'ont fait ces bons chrétiens. Alors la quête du Graal, d'autres histoires extraordinaires et fabuleuses. Oui, c'est tout cela. Monseigneur, c'est tout cela et c'est même plus, puisque à travers 7 siècles et plus, le message continue d'être véhiculé. Véhiculé par les troubadours, les trouvères, par les gens comme nous, comme Alain Lequel, comme moi-même, comme Angélu Marie, et d'autres encore qui nous ont précédés et d'autres qui nous suivront. Le catharisme est toujours vivant. Mais est-ce qu'on peut dire que les pierres sont muettes? Non, elles ont parlé. Et elles n'ont pas tout dit. Et bien des choses étranges, mystérieuses, peut-être inquiétantes, peut-être pétries d'espérance,
nous attendent encore.